J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfant. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était alors si ardente et si forte. Mon cœur tour à tour brûlait, comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou, quand le soleil se couche et mes yeux éclairaient. J'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare, croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de nos et je déchiffrais des caractères cunéiformes. Puis tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place, et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour, dernier voyage et de la mer. Pourtant j'étais fort mauvais poète, je ne savais pas aller jusqu'au bout. J'avais faim et tous les jours et toutes les femmes dans les cafés et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser, et toutes les vitrines, et toutes les rues, et toutes les maisons, et toutes les filles, et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés. J'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive, et j'aurais voulu broyer tous les os.
cacher toutes les langues et liquéfier tous ces grands corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la révolution russe. Et le soleil était une mauvaise plaie qui s'ouvrait comme un pas assez des tours et des gares que constellent mes yeux. En Sibérie tonnait le canon, c'était la guerre, la faim, le froid, la peste, le choléra et les eaux limoneuses de l'amour charriaient des millions de charognes. Voyez partir tous les derniers trains. Personne ne pouvait plus partir car on ne délivrait plus de billets. Et les soldats qui s'en allaient auraient bien voulu rester. Les gens